Et est-ce que vous portiez souvent des bérets rouges? J'ai dit ici que je n'ai jamais porté de blé rouge et je ne porterai jamais de blé rouge. D'accord. Voilà. Et les hommes qui étaient avec vous ne portaient pas aussi des bérets rouges? Non. Là où je ne porte pas les blés rouges, le subordonné ne portera pas là-bas. D'accord. Au sein de votre service, est-ce qu'il y avait un endroit où on gardait les gens au moment des enquêtes? Oui, on avait la garde à vue. La garde à vue. Oui. Les gens mettaient souvent combien de temps là-bas? On était dans le délai. Les 20, en tout cas, maximum 48 heures. Hein. Vous avez toujours respecté ça? J'ai toujours respecté. Si vous pouvez me donner un petit temps. C'est Allez-y. avec ma rigueur en matière d'enquête que le général Badé, pour parer à toute forme d'irrégularité dans la procédure, qu'il m'a nommé comme conseiller particulier chargé du contrôle de l'exercice de la police judiciaire dans les unités de gendarmerie. Et moi, je faisais le tour de la Guinée. Et quand je vais, je contrôle si je vois que le délai de garde à vue est dépassé. Eh bien, je fais les observations. Vous avez toujours accompli cette mission J'ai toujours accompli cette mission. au sein de votre service. Affirmatif. Mon frère va continuer. Bien, pour le moment, merci. À moi de vous dire merci. Monsieur Gomu. Monsieur le procureur. C'est bien votre nom de famille, je ne l'ai pas écorché cette fois-ci. Oui, c'est mon nom, Goumou. Voilà, je n'ai pas dit Gemu Goumou. C'est bien ça. Alors, nous allons continuer. Vous avez précisé tout à l'heure, quand le président vous a donné la parole pour vous expliquer, que vous êtes arrivé à l'esplanade du palais, à l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Affirmatif. Et vous êtes arrivé là à la matinée. Affirmatif. Alors, quand vous êtes arrivé, quelle était votre position? Quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé le colonel Thiébro à côté de la pharmacie de docteur Manizé. C'est là-bas où il était. En train de sensibiliser. Mais puisque ceux qui étaient derrière n'attendaient pas, il était obligé d'augmenter de taille en se mettant sur un pick-up et il a commencé à sensibiliser. Mais ça ne faisait qu'applaudir. Ça ne faisait qu'applaudir. Bien. Donc c'était là ma position. D'accord. Et vous avez dit que vous étiez au nombre de 6 en ce qui vous concerne Oui. dans le pick-up Dans le que pick-up. vous aviez. Oui. Et les pick-up étaient au nombre de 3, vous avez précisé. Oui. Dans les autres pick-up, il y avait combien d'occupants? Là, je ne saurais vous le dire. Je m'intéresse à mon pick-up et le contenu de mon pick-up. Je suppose quand même qu'il y avait plus de 5 personnes, un peu plus de 4 personnes dans chaque pick-up. Dans mon pick-up, il y avait 6. Je ne sais pas les autres contenaient combien de. Chacun viendra donner le contenu de son pick-up. En attendant, c'est vous qui êtes ici. En attendant. En attendant, c'est vous qui êtes Oui, ici. je ne parle que Et les questions vous Oui. sont destinées. Affirmatif, monsieur le Ne les procureur. ramenez pas à quelqu'un d'autre. Merci. Je sais ce que je fais. Je ne sais pas ce que le contenu des autres pick-up. Je ne saurais vous le dire. Approximativement Je ne peux 3. pas faire une estimation. Pour être très précis, je m'intéresse. Monsieur Goumou, vous avez vécu les faits. Oui. Même si vous ne connaissez pas le nombre exact, quand même, vous savez si vous avez vu 3, 4 ou 5 personnes. Je ne peux pas faire le témoignage de quelqu'un ici. Je parle de mon cas. Bien, mais vous êtes formel que les pick-up étaient au nombre de 3. Oui. Dans chaque pick-up, il y avait des occupants. Affirmatif.
Alors, quand le lieutenant Aboubacar Diakité Toumba est arrivé, il est arrivé de quelle direction? L'Andrea, la ville, du côté de Farmaguiné. Il est venu de quel... Il est venu du pont 8 novembre. Du pont 8 novembre. Voilà, pour venir ici. Côté université Gamal Abdel Nasser. Côté université, affirmatif. Très bien.